Contenu de l'emballage. En RJV relais BT7 NFC. Câble USB. Câble audio. Housse de transport. Manuel de l'utilisateur. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir, comme promis, je vous avais promis le déballage d'un casque, mais vraiment d'un très beau casque, d'un casque de très bonne facture. Ce casque est de la marque Energy System. Alors Energy se termine avec un Y et System s'écrit comme en espagnol S-I-S-T-E-M. Alors pourquoi ? Parce que ce casque a été construit et est développé par une société espagnole. Alors vous allez voir, il est déjà très joli en termes d'esthétique. Il a vraiment, à mon goût, un très bon son. Et il a une particularité que vous allez certainement apprécier pour son prix. Vous allez voir que il est vraiment multifonctionnel. Alors ce casque, il est déjà dans sa boîte. Ici, la boîte est sur le bureau. Je vous mets donc en très gros la marque pour que vous puissiez voir exactement Energy. Le casque en question, le voici. La boîte est vraiment très très bien faite. On a une boîte vraiment solide, vraiment jolie, très design. Sur le côté droit de la boîte, le logo de la marque qui est une sorte de check lorsqu'on coche une case. Le dessus, la marque encore de la boîte. On a sur le côté gauche, très lisse, le côté du casque. Derrière, on a tout un explicatif du casque en question. Alors, quelque chose qui m'a assez impressionné, je vais vous le mettre en très gros, ici. Je vous le mets donc en très gros sur l'écran. Ils garantissent le casque 36 mois. Alors, à voir, mais je vous mettrai le lien de la page de la société. Alors vraiment, 36 mois, c'est très très appréciable. Et ensuite, ici, je vous mets en très gros, qu'est-ce qui est capable et à qui ce casque peut se connecter. Alors en fait, il peut se connecter à tout ce qui est connectable. Donc PC, tablette, Android, Microsoft, Windows, iOS, Mac, rien ne lui résiste. Alors, on a vraiment un très bon casque avec ses particularités. Parce que ce casque possède aussi le NFC. Vous allez pouvoir, si vos appareils sont compatibles NFC, vous connecter à ce casque par le simple biais d'approcher votre appareil, un des deux côtés du casque. Je vous mets la boîte un peu sur la longueur pour que vous puissiez la voir. Je vous la remets un petit peu, là je vous la tourne dans tous les sens, pour que vous puissiez voir un petit peu comment elle est faite. Et la surprise, la voilà, qui va nous laisser apparaître. Dans une très belle housse de transport simili-cuir, vraiment de très bonne facture. À fermeture, ici, le casque est enfermé. Vraiment, comme vous pouvez l'entendre, quelque chose de très costaud, assez souple. Voilà, lorsque vous allez le mettre ça dans votre sac à dos, il est très bien protégé, ce casque. On a sur le dessus, je vous le mets, un mousqueton que l'on peut attacher à son sac à dos ou à sa ceinture. On a ici le logo de la marque imprimé dans la housse de transport. Une fermeture éclair. Voilà. Et lorsqu'on l'ouvre, elle nous fait donc apparaître sur le côté droit le casque et sur le côté gauche les différents câbles qui vont servir à ce casque. On va tout de suite passer donc maintenant au déballage et la présentation du casque en question. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre dans cette pochette de transport? Lorsqu'on l'ouvre, on a donc un petit filet où est enfermée la notice et les petits stickers de la marque, le petit V de la marque Energy System. On a dans cette petite pochette peut être très intéressante, elle a un petit filet avec une petite profondeur assez sympathique. Et donc à l'intérieur, on va pouvoir y glisser par exemple des clés USB, des cartes SD pour le transport. C'est vraiment agréable parce que cette pochette de transport est vraiment très bien faite et très solide. Donc on a deux câbles
parce que, encore une fois, on vient donc sur la particularité de ce casque. Alors, il est Bluetooth, NFC, et si, pour les personnes n'aimant pas le Bluetooth, on aura la possibilité de le connecter en jack. Donc, le câble livré de très bonne qualité, les deux côtés jack. Si on perd, il a 12 heures d'autonomie en Bluetooth. Et dès que l'on a perdu nos 12 heures, on va pouvoir brancher le casque ici. En plus, vous pouvez regarder, c'est très bien fini au niveau de la qualité du câble. Le câble ici, je vous le montre de très près, c'est un câble qui est à plat, qui évite s'entortiller. Et comme je vous disais, l'avantage de ce système, si vous n'avez plus de batterie, eh bien vous allez pouvoir brancher votre câble. Le deuxième câble, c'est le câble pour justement recharger notre casque. Ici, un câble très classique avec USB et mini USB de l'autre côté. Voilà ce qu'on a donc au niveau des deux câbles. On va rentrer dans le descriptif maintenant, le Energy System Black. Alors, il est très beau en termes d'esthétique. On a un plastique très lisse. Alors, il est très laqué, on va dire. Donc, éventuellement, il va falloir faire attention au niveau des rayures. Donc, il faut faire attention, toujours le mettre justement dans sa houe de transport. Le casque est pliable. Donc ici, si je le déplie, voilà. Et voilà donc comment est fait ce casque une fois déplié. Alors, il fait donc bien sûr le tour de votre tête avec des possibilités d'allongement par rapport à la grandeur de la tête. D'accord ? Ici sur le côté de chaque côté. Alors, c'est un casque donc extra-auriculaire avec des bonnes petites housses. Ici, je vous montre qui viennent se positionner sur vos oreilles et qui vous protégez vos oreilles des bruits environnementaux et vous êtes vraiment isolé par rapport au son. Vous allez voir, donc lorsqu'on l'allume, on a une petite voix qui va nous dire power on, power off pour nous dire qu'on a allumé ou éteint, ou lorsqu'on va appairer notre casque, on va avoir donc la possibilité d'entendre par le biais d'une petite synthèse que le casque a bien été appairé. D'accord. Sur le côté droit de l'appareil, on va trouver donc un petit bouton ici sur toute la longueur qui va être le bouton marche arrêt. Lorsqu'on va appuyer quelques secondes dessus, vous allez voir. Donc le casque va se mettre à clignoter bleu, une belle couleur bleutée, et à ce moment-là, on sait que on va pouvoir se connecter instantanément à l'appareil qui a été appairé. Alors, là où se trouve le bouton de marche arrêt, c'est le côté droit du casque. Plus que sur ce côté droit, on a donc sur le manche du casque les boutons volume haut, volume bas. Et les boutons avance rapide, retour rapide, puisque on a aussi la possibilité de décrocher un appel et de servir des assistants vocaux comme Siri, Google Now ou autre. Alors c'est vraiment bien fait, c'est astucieux d'avoir mis sur le côté droit les manettes de fonction, de volume et d'avance retour rapide. Voilà, le côté gauche, lui, il va nous servir à procéder au NFC. C'est-à-dire ici, côté gauche, on va avoir la possibilité de positionner notre téléphone et de l'appairer en NFC. Ce qui est très bien en termes de rapidité, puisque dans ces conditions-là, un appareil compatible NFC, vous n'aurez en aucun cas à aller dans Bluetooth et faire toutes les manipulations que l'on rencontre lorsqu'on veut se connecter à un casque en Bluetooth. On aura simplement glissé notre appareil sur le côté gauche de l'oreille
et instantanément, en moins de 2 secondes, il va se connecter. Alors ce casque, l'énergie BT7, donc, est un très bon casque. Alors en termes d'écoute, pour mon cas personnel, je trouve qu'il a un très bon rendu au niveau des aigus et des basses. Alors c'est un peu compliqué au niveau de vous le faire écouter dans une vidéo. Essayez de voir si vous pouvez aller le tester dans différents magasins. Il y aura certainement la possibilité de le découvrir. Celui-ci, c'est le casque moyenne gamme. On a le casque haut de gamme qui est le BT8 qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Alors ce casque, vraiment, ici, lorsqu'on le plie, on entend donc des petits claquements qui font que le casque est verrouillé. Une fois plié, voilà comment on le retrouve. Vous allez voir, pour appairer ce casque, on va prendre par exemple un téléphone tournant sur Windows. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur ma chaîne, qui est le Nokia Lumia 650 et qui possède le NFC justement. Comme je vous disais, côté gauche, on a la possibilité donc de connecter le casque ici. Et comme vous avez entendu, le casque s'est instantanément connecté. Instantanément, le téléphone s'est connecté au casque. Profitez de notre musique tranquillement avec le BT7 de Energy System. On va prendre un autre système, par exemple, qui tourne sous Android. 18h17. Appareil déverrouillé. Écran en appui. On a donc une tablette, la Nexus 7. Et on va, par exemple... Alerte, voulez-vous vraiment associer l'appareil Bluetooth? Non, bouton. Oui, bouton. Alerte, voulez-vous vraiment associer l'appareil Bluetooth? Alors, ce qu'on va dire, c'est tout de suite oui. Alors ici, vous allez entendre un petit peu le rendu de l'appareil. On est vraiment là sur le casque. Alors comme vous avez pu voir, on a vraiment appairé ultra rapidement avec le NFC, le casque BT Energy System, simplement en positionnant notre tablette sur notre oreillette gauche. Alors, lorsqu'il est appairé, le côté droit clignote toujours en bleu pour nous montrer qu'on est bien en connexion Bluetooth. On va avoir sous la connectique côté droit, on va avoir donc le port jack 3,5 ici. Donc vous allez pouvoir brancher votre câble livré avec le casque et brancher à votre appareil pour avoir une écoute. Si votre batterie est à plat. Ensuite, si vous avez donc votre batterie à plat, eh bien, bien entendu, il va falloir recharger l'appareil. Toujours côté droit, on va avoir ici la petite connectique mini USB, toujours avec le câble livré. Alors, mes impressions pour ce casque. Alors, un casque à 69,90€ sur le site dont je vous mettrai le lien. Je trouve vraiment peu cher pour vraiment tous les services qu'il nous offre. Un casque Bluetooth, NFC, possibilité d'un branchement avec un câble 3,5 jack-jack, donc double jack. Vraiment, en plus, le casque isole vraiment bien du bruit. On est vraiment dans sa musique lorsqu'on écoute de la musique avec ce casque. Alors, on peut le connecter avec tous les systèmes. Et instantanément, lorsqu'on lui demande de se connecter, il est très rapide. Voilà, donc le casque donc Energy System BT7. Je vous invite à aller voir sur ce site. C'est vraiment de très bons casques livrés avec une très belle pochette de transport. Comme vous pouvez voir, le casque, une fois plié, est vraiment petit. Et en plus, très transportable dans sa pochette, puisque vous regardez... Au niveau du transport, sans problème, on va pouvoir le transporter à l'abri, en sécurité des chocs.
Voilà, j'espère que cette vidéo sur le casque BT7 Energy System, une société espagnole garantie 36 mois, vous aura plu. Moi, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en bas de la vidéo pour continuer aussi à me suivre. Pensez bien à vous abonner juste à la droite des pouces. Le petit bouton s'abonner, c'est important pour m'encourager. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous dis un grand salut !